c'est difficile. Oh, ça, c'est... Oh, c'est super. Mais tout le temps, je les attendais. Je t'ai ému, je la sens. Mais ça s'ouvre pas, en plus. Oh, c'est bien, ça, comme carton. Ça, c'est bien. Bizarre. Bah, ça se plie, en plus. Ça se plie. Comme ça. Bonjour, bonjour. Ah ben bonjour Madame Pichardeau, bonjour Madame Bellefeuille, mais dites-moi, ça va beaucoup mieux? Bof. Oui. Oh, ça, si vous voulez dire par là qu'on ne pleure plus, non, ça c'est vrai, on ne pleure plus. Ma pauvre Georgette. Oui, c'est vrai qu'on ne pleure plus, Thérèse, mais le chagrin est toujours là. Ouais, il sera toujours là. Attendez, Madame Pichardeau, vous n'avez pas commencé à pleurer tout de même. Ben oui. Ce petit week-end à la campagne, toutes les deux, ça a dû vous faire du bien. Mais si, ça vous a fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-moi tout. Oh, j'ai emmené Georgette chasser à cour sur mes terres. Chasser à cour? Oui, voilà. Mais comment vous avez fait dans votre famille? Thérèse a été merveilleuse. Elle m'a installée dans une petite charrette tirée par un cheval. C'était formidable. Et tellement original. Ah, l'équipage n'avait jamais vécu ça. Oh, et Georgette, on s'écrie quand le cheval accélérait. On aurait dit qu'elle sonnait du cor. Oui, je vois tout à fait, là, oui. Gérard, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, ça y est! Ça y est, je les ai reçus, Madame Bellefeuille. Mes invitations. Et les invitations pour quoi? Ben, c'est pour la pendaison de crémaillère d'Adeline et moi. Voilà. Gérard et Adeline vous invitent à leur pendaison de crémaillère. Oh, vous faites un lunch. Enfin, bon, une simple pendaison de crémaillère, quoi. Oh, c'est tellement charmant comme idée. Non, plus très actuelle, mais bon, tellement ça plus sympathique qu'une énième réception au pavillon d'Hermenonville. C'est ça, c'est ça. Alors, comment vous les trouvez? Regardez les deux cœurs, là. Oui. Bon, c'est moi, l'idée. Oh, je m'en doutais, Gérard. C'est formidable, c'est tellement, tellement joli et romantique. Oui, il ne reste plus qu'à les distribuer. Bon, ben, Madame Bellefeuille, vous avez le vôtre. Hein. Oui, merci, mon petit Gérard. Je peux compter sur vous. Oh, Gérard, vous imaginez bien la pendaison de crémaillère de ma filleule. Je ne vais pas rater ça, tout de même. Bon, ben, sur ma liste, je vous mets à OK. Ah oui? Ah oui, vous pouvez mettre OK pour moi aussi. Oh, j'adore les pendaisons de crémaillère. D'ailleurs, je vous prends un petit... Non, mais Madame Pichardou, le problème, c'est... Gérard! Oui. Enfin, vous n'allez pas refuser ça. Maintenant, Thérèse est mon amie. Bon, ben, c'est entendu, Madame Pichardou. Je vous rajoute à ma liste, alors. Bon, ben, d'accord. Allez, nous, on y va. Oui? Allez, Thérèse, on pousse. Ah, oh, mais je pousse, mais enfin, vous savez que la moquette, le poids s'enfonce, alors. Salut Gérard. Coucou mon Gérard. Ah, salut les filles, vous tombez bien. Ça y est, je les ai. De quoi? Eh ben, mes invitations. Pour la pendaison de crémaillère, Adeline et moi. Mais c'est ce soir? Ben oui, c'est ce soir. Pourquoi tu nous préviens si tard? Enfin, tu plaisantes tout quoi, Sabine? Ça fait 15 jours que je t'en parle. Mais j'attendais les cartons pour officialiser la chose, ben c'est tout quoi. On dit pas que tu peux pas venir, hein, je compte sur toi. Bon, bah, je vais essayer de m'arranger. Ah bon? Et toi, Karen? Oh, bah, théoriquement, je pense que je peux venir. Normalement, j'avais un petit dîner avec Marc ce soir, mais enfin, t'inquiète pas, on va s'arranger. Mais c'est pas grave, ça, bah, puisque j'ai invité Marc. Bon, bah, je compte sur vous. Alors... Bon, bah, écoute, en attendant ce soir, c'est ce que je te propose? Petit tour dans la salle de sport, viens. Oh, oui, j'y vais, parce qu'après la nuit que j'ai passée, j'en ai bien besoin. Réception, bonjour, oui. Madame Zepi, oui. Pour un massage, bah écoutez, je regarde. Alors, vous me dites, à quelle heure, oui. Et Madame Zepi, c'est pas possible, pas 21h30. Madame Zepi, 21h30. Bah, je serai plus là. Bah oui. Que je reste pour vous masser? Mais c'est pas possible, Madame Zepi. Maintenant, je vous explique. Bon, voilà, ce soir, j'organise une petite pendaison de crémaillère avec Adeline. Oui. Ah, mais non, Madame Zepi, non. Non, je regrette. Mais non, j'ai... Non, Madame Zepi, j'ai une vie privée, moi aussi. J'existe. Au revoir, Madame Zepi. Putain, que t'as pas pensé à la vieille. Je crois que je vais repousser ma fête, alors elle se trompe, elle. Hein. Dis-moi, Vincent, qu'est-ce que t'en penses si je mets ça là? Tu devrais le mettre plus à gauche, tu veux que je t'aide? Oui, si t'as fini. Oh, oui, de toute façon, j'attends que ça sèche. Vincent, t'es maladroit! Oui, bah... Vincent, ta
chemise, mais ta mère va hurler. T'inquiète pas, quand elle va en pantalon, elle aura une casse d'être quand même. Ton pantalon? Bah oui, une erreur de cadrage tout à l'heure en m'asseyant. Bon, je peux pas dire grand-chose, c'était pareil que toi quand j'avais ton âge. Ouais, c'est sûr. Alors, tu voulais mettre ça là, hein? Oui. Bon, tu me laisses escalier, s'il te plaît. Merci. C'est gentil d'être venu m'aider, Vincent. Oh, bah, de toute façon, ça me fait plaisir. Puis j'adore ce genre de soirée, tu sais. Tu vas voir, je suis sûre qu'on va s'éclater. Oui. Mais tiens, en parlant de ça, t'as bien dit que je pouvais venir accompagner. Oui. Elle est jolie? Bah, ouais, plutôt. Mais quand tu sais que c'est une fille? Bah, parce que quand on a ton âge et qu'on demande à venir accompagner, en général, c'est par une fille. Oui, c'est sûr. Et, t'es amoureux? Bah ouais, plutôt, elle est mignonne, c'est vrai. Oh, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir pour la rencontrer. Bah justement, tu pourrais pas l'inviter, tu sais, faire comme si c'était ta copine. Ah oui, je vois, à cause de ta mère. Bah oui, si elle voit que je fréquente une fille, tu vois le genre, quoi. D'accord, bah écoute, t'as qu'à me donner son numéro de téléphone ici. Ouais. Et puis je te promets, j'appelle tout à l'heure. Ah, t'es vraiment super, Adeline. C'est vrai, je le pense. Mais je peux te poser une question? Mm-hmm. T'es pas jalouse? Si. Je suis très jalouse. Mais bon, je suis contente pour toi. Alors, raconte-moi, avec Marc, c'était comment? Très bien. Oh, mais c'est pas vrai, c'est tout ce que tu me racontes. T'es pas marrante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était très bien, voilà, je te l'ai dit. Mais écoute, Karen, tu passes le week-end avec le voisin, et la seule chose que tu me dis en rentrant, c'est très bien. T'avoueras que c'est pas un récit très excitant. Ah, t'es incroyable, toi. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Ben... des détails. Il est comment dans l'intimité? Il est drôle, il est tendre. Je le trouve mignon. En tout cas, moi, il me fait craquer. Bon, oui, enfin, ça, on s'en fiche. C'est pas le plus important. Ah bon, c'est quoi le plus important? Ok, je te pose la question directement. Il est comment au lit? Tu changeras jamais, toi. Eh bien, si tu veux tout savoir... Il est chaud quand il dort. Oui, mais pour le reste. Quel reste? Tu vas pas me dire qu'il est tellement nul qu'il t'a laissé aucun souvenir. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Mais c'est pas possible. Écoute, Marc et moi, ça se passe sur un autre plan. Tu comprends? Donc, pour l'instant, on n'a rien fait encore ensemble. Voilà. Tu te moques de moi, là? Mais non, je te jure, je te dis la vérité. Bon, d'accord, on a couché dans le même lit, ok, mais... comme frère et sœur. Mais... je croyais que t'étais amoureuse de lui, je vous ai même vu vous embrasser. Ah bah oui, oui, on s'embrasse, on se fait des câlins. Très tendre, mais... pour le reste, on a décidé d'attendre. Mais d'attendre quoi? Mais d'attendre! Enfin, on n'est pas des bêtes! Puis tu m'énerves avec tes questions, la gomme! Oh! Oh là, j'ai jamais vu ça, moi. Bon, j'y vais! Salut. Bonjour. Karine est là? Oui. Oui, je lui ai apporté un petit bouquet de fleurs. Tu voudrais raconter? Nos folles nuits d'amour. D'amour? Oui. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais passé une nuit d'amour pareille. Alors, vraiment, jamais. Mmh. Alors, je croyais pas qu'on pouvait être amoureux à ce point-là, quoi. Elle est pas là? Si. Elle est là. Oh, je la vois. Oh, je la vois. Tiens, t'as porté quelques fleurs, voilà. Oh, elles sont sublimes, écoute. Oh, la couleur. Oh, ce qu'elles sont belles. Bon, attends, assieds-toi, je vais te servir un verre. Oh, c'est gentil. T'as vu? Elles sont belles, hein. Oh là là. Mais attendez, tous les deux, là. Oui. Non, oui. Rien. J'y vais. Ah ouais, d'accord, ouais. Allô? Ah, Claire! Vincent? Oh, ben, il doit être au lycée. Oui, ça tombe bien que tu m'appelles, parce que, tu sais, il y a la pendaison de la crémaillère chez Gérard et Adeline. Ben oui, oui, je sais, moi aussi, ça m'était complètement sorti de la tête, oui. Ben oui, c'est vrai, oui. Alors, hein? Tu crois? Mais... c'est qui? C'est Claire. Ah. Un symposium sur quoi? Les passerelles artistiques entre les réalisations picturales des civilisations précolombiennes et celles de l'Égypte ancienne. Oh là là, ma pauvre Claire.
Ah, tu trouves ça passionnant? Et tu voudrais rater ça pour rien au monde? Eh ben, décidément, on n'est pas de la même espèce, hein? Oui, oui, bon, d'accord. D'accord, ben, je préviendrai Gérard et Adeline. Vincent? On s'en occupe de Vincent. Hein? Ah bah tiens, justement, le voilà qui rentre du lycée. Mais chérie, vite! C'est toujours la même chose. La personne peut répondre à ce téléphone quand je suis pas là. C'est Norbert, un sacré Norbert. Mais je vous en prie. Allô? Madame Zeppi. Madame Zeppi, ça fait 100 fois. Ça fait 100 fois que je vous répète que c'est non, 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 non et non. C'est comme ça. Et oui, Madame Zeppi. Parce que je n'ai pas que ça à faire. J'ai une vie privée, Madame Zeppi, c'est tout. Mais oui, ce soir, je ponds ma crémaillère, vous le savez très bien. Oui, ben c'est mon dernier mot. Mais je vous en prie. Mais j'attends. Et qui vous êtes, vous, d'abord? Non, mais monsieur Laplace, je vous explique. C'est parce que ce soir, moi, j'avais prévu. Non, j'ai rien prévu. Ah ben ça, oui, ça, madame Zeppi, c'est une excellente cliente, oui. Si j'aime mon travail, mais vous présentez, monsieur Laplace. Mais non, j'ai pas l'intention de le quitter tout de suite. Pas assez entendu. Alors, je note. Madame Zeppi, ben, 20h30. 21h30. Excusez-moi, c'est parce que. On va essayer de noter. Enfin, monsieur Laplace. Gérard! Ouh, Gérard! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'entends? Mais oui, je t'entends, Sabine, tu penses. Ah, oh, bon, tu m'as fait peur. J'ai cru que t'avais un malaise. Mais non, tu veux une serviette? Mais non, je veux pas de serviette. Ça va pas, hein? Mais si ça va, mais qu'est-ce que tu veux? Le téléphone est tout le temps occupé, alors je suis descendue pour te prévenir que Claire ne pourra pas venir à ta pendaison de crémaillère ce soir. Ouais, c'est ça. Elle a un symposium sur les passerelles de je ne sais quoi, là, les civilisations précolombo-égyptiennes, enfin. Mm. Un de ces trucs rasoirs qu'elle adore. Tu connais, j'ai insisté. Mais avec Claire, c'est pas facile. Hein. Et plus c'est casse-pied, plus elle est accro. Ouais, c'est ça, d'accord. Tu m'écoutes, hein? Mais oui, je t'écoute, Sabine. T'as compris ce que je viens de dire? Tu viens de me dire que Claire ne pourrait pas se rendre à ma pendaison de crémaillère, c'est bien ça? Et c'est tout l'effet que ça te fait? De toute façon, tu sais, c'est pas bien grave. Je peux pas y aller, alors. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que je peux pas me rendre à ma pendaison de crémaillère, c'est comme ça. Mais enfin, ça n'a pas de sens, on peut pas prendre sa crémaillère si on n'est pas là. Mais non, mais Sabine, j'ai pas le choix. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est à cause de Madame Zeppi. Elle exige que je la masse ce soir à 21h30, tu te rends compte, toi? Oh, cette bonne femme! Tu l'as envoyé promener, j'espère. Oh, bah, tu me connais, hein. Bah alors, elle m'a passé monsieur Laplace. Et comme monsieur Laplace, bah, c'est un grand ami à elle, bah, tu vois pas, j'ai pas le choix, c'est tout, c'est comme ça. Tu veux dire qu'il t'oblige à rester ici pour masser cette vieille peau frustrée? Oui. Et t'as accepté? Mais je te dis que j'ai pas le choix. Puis aussi, il faut comprendre, monsieur Laplace. Il y a de gros problèmes en ce moment. Bah, tu te rends pas compte? Mais quand ça fait une bonne clientèle, c'est pas une chose aisée. Et t'as dit oui? Bah oui. Et franchement, il exagère, celui-là. Ça s'habille où tu vas, là? Je veux dire un petit mot à notre bon ami, monsieur Laplace. Bon, Adeline, ça, je le mets où? Oh, t'en mets un à chaque bout de table, ça va être super mignon, non? Oui, c'est une bonne idée. Oh, Vincent, s'il te plaît, tu veux aller ouvrir? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour tout le monde! Bonjour, même le petit Vincent qui est venu pour aider, comme c'est gentil, Vincent. Bonjour, madame Bellefeuille. Thérèse, vous connaissez le petit Vincent? Oui, enfin, vous savez, moi, quand j'ai vu un enfant, j'ai l'impression de les avoir tous vus. Bonjour, mon petit. Bonjour, madame. Oh, vous êtes venue, comme c'est gentil. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tu connais Thérèse? Oui, bonjour, madame Pichardon. Bonjour. Thérèse a eu la gentillesse d'accepter ton invitation pour ce soir. Oui. Oh, comme c'est gentil. Allez, Thérèse, montrez-lui vite ce que vous lui avez apporté. Oh, oui. Oh, oui. Tenez.
Tenez, ce sont des balais. Une pendaison de crémaillère sans balais et puis jardot. Non, ça, c'est pas possible. Hein? Alors voilà, c'est pour vous. De quoi vous assurer des heures de ménage dans le confort, la joie et la bonne humeur. Oh, il faut que je vous embrasse. Pardon. Bon, Adeline, je crois que je vais te laisser. Hein? Non, je crois que tu vas rester. Tu vas pas me laisser tomber maintenant. Alors, c'est vraiment pour toi, d'accord. Hein? Eh bien, installez-vous. Ah, oui. Alors, moi, je vais aller à gauche. Oui. Non, mais à gauche, vous dites. Eh ben, c'est pas à gauche, là. Non, parce que je vois bien ce que vous essayez de faire, à vous moquer de moi, pour pas que je voie Marc quand il va arriver. Et puis vous, après, vous allez changer les cartons et vous allez le garder pour vous toute seule. Oh, alors ça, Madame Bellefeuille, c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil parce que c'est pas du tout mon genre. Et puis de toute façon, Marc, vous savez, hein, vous avez peut-être oublié, mais maintenant, il s'en fiche bien de nous. Alors, ouais. C'est comme si on n'existait plus du tout pour lui. Exactement. On va recommencer. Alors là, tu vois, j'ai bien peur que si. Hein. Je vais m'en occuper. Oui, occupe-toi. Georgette, mais c'est quoi ces jolies petites poupées? C'est pour moi? Oui, c'est des poupées thaïlandaises. C'est pour mon bonheur. Alors, comme je ne savais pas si le bonheur dépendait de la taille, j'ai préféré ne pas lésiner. Thérèse! Quoi? Vous ne remarquez rien? Non. Quoi? Mais si, regardez, il en manque une. Oh. Hein? Et si c'est le modèle qui porte bonheur? Oh là là, ça va être affreux. Vite, Thérèse, il faut qu'on remonte là-haut. Oui, allons, oui, oui. Ah, oui, oui. Allez, en route. Oh, attention. Hop, 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 je suis coincée dans la couverture, mais ça va s'arranger. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, pardon, pardon, pardon. Vite, vite, vite. Hop, hop. Youp. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet ascenseur? Il n'arrive pas. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, Georgette, je sais quoi faire. On va prendre l'escalier. Hop, 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 hop. Oh non, c'est pas vrai. Elle n'a pas pensé au fauteuil roulant. Ah, ça, c'est fou, vous n'avez rien entendu. Ah non, rien du tout. Non, ça, c'est... Ça, Gérard, les amoureux sont seuls au monde. Hein. Ah, oui. Ah oui, je vois ça parce que les a entendus sur 12 étages, alors, c'est pour te dire. Attends, Gérard, tu veux dire qu'elles ont dévalé 12 étages? Bah oui, forcément, parce qu'avec le fauteuil plus le poids, ben, ça fait comme une avalanche. Alors. C'est dingue, mais elle est arrivée dans quel état, Madame Bellefeuille? Ah bah ça, Madame Bellefeuille est toute cassée. Hein. Ah bah oui. Et le fauteuil est très abîmé? Le fauteuil, non, que tu dis ça. Non, c'est surtout Madame Bellefeuille qui a tout pris, tu te rends pas compte. Mais quand même, le fauteuil, c'est moi qui l'avais loué. Oh non, attends, vous plaisantez pas avec ces choses-là. Oh, arrête. Et Madame Pichardeau, elle va bien? Ah bah Madame Pichardeau, deux fois rien. Ah bon? Bah c'est Madame Bellefeuille qui a tout amorti, alors forcément. Bah je vois la scène. Bon, avec tout ça, faut que je corrige ma liste, moi. Oui. Bon, alors, oh ben Sabine, Karen, Marc, Adeline, Vincent, c'est bon. Claire Bellefeuille, Pichardot et Gérard, ben c'est pas bon, c'est réel. C'est comme ça. Merci, Gérard, tu es... Comment? Mais ça va pas, Gérard? Ben pourquoi? Ben Gérard, non. Gérard, c'est bien toi? Ben oui, c'est moi. Ben alors? Ben alors, je peux pas venir, c'est tout, c'est comme ça. Gérard, t'es pas en train de nous expliquer que tu peux pas assister à ta propre pendaison de crémaillère? Si, Karine, qu'est-ce que je te dis? Je travaille ce soir. Bah oui. Oh, bah oui. Excusez-moi. Oui, allô, bonjour. Ah, c'est toi, Sabine. Excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Comment ça, t'es avec Monsieur Laplace? Attends, tu veux dire chez Monsieur Laplace? Bah, attends, Sabine. Laplace, le vrai, le mien? Oh bah c'est génial ça, Sabine, alors je suis libérée ce soir. Ah c'est super. Et comment t'as fait? Dis-moi tout. Non c'est bon Sabine, j'ai compris. Arrête-toi, je te dis. Tu me raconteras tout ce soir et puis c'est tout. Mais pourquoi tu veux pas venir ce soir? Tu préfères rester avec Monsieur Laplace? Oh bah oui, je comprends. Bon bah au revoir Sabine. Hé hey, Sabine. Et bonne soirée hein. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle m'a arrangé le coup. Ben, ce soir, je vais pouvoir venir. C'est génial. C'est formidable. Hein? Seulement Sabine, elle a un empêchement, quoi. Ah. Hein? Bon, alors, je récapitule. Bon, Karen, Marc, Adeline, Vincent et Gérard. Mais on est cinq. Non, c'est-à-dire que... C'est voilà, Gérard, ce soir, nous, c'est pas possible. Hein. Mais pourquoi, Marc? Bon, Gérard, faut que je t'explique. Voilà. Oui. C'est à cause de ma mère. Oui. Voilà, maman est de passage, tu comprends. Et bon, ça lui arrive pas souvent, hein, franchement. Oui, alors, comme je tiens absolument à lui présenter Marc, parce que c'est important hein, pour nous deux. Et comme elle repart demain, mais alors vraiment à l'aube, hein, à l'aube, hein, on n'a pas le choix.
Ça tombe mal, mais on n'a pas le choix. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas de chance, nous, on voulait tellement venir. Mais sa maman, bon... Tu nous excuses, Gérard, hein, tu comprends, hein, c'est vraiment un cas de force majeure. Hein. Bon, ben, on sera à trois pour ma crémaillère, puis c'est tout. Ça va être sympa aussi, trois. Dis, Adeline, tu crois qu'on va avoir assez de lits pour l'apéritif? Mais oui, bien sûr, on en avait prévu pour une dizaine, alors... Oui. Bon, c'est vrai qu'on va laisser ça à trois. Enfin, c'est bête qu'ils aient annulé, moi j'aime tellement les grandes fêtes. Ben oui, moi aussi. Remarque, c'est bien aussi à trois. Hein? À quatre, hein? À quatre. Ben oui, j'ai dit à Vincent de venir avec sa petite copine. Attends, tu veux dire que Vincent a une petite copine? Oui, en plus, il a l'air super amoureux. Oh, mais c'est génial, ça, Vincent, une petite copine. Oh, ben, je suis content pour lui. Oh, ben, si, c'est bien, une petite copine. Parce que moi, si j'avais une petite copine, tu vois, à son âge... Ben, je crois qu'aujourd'hui... Non, je crois pas. Enfin... Oh, ben, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, ils vont arriver. Bon, ben, en attendant, je vais sortir le champagne. D'accord. Ah! Vincent! Entre, on t'attendait. Ouais, mais... Vincent... Ben, j'ai appris. Ben, je suis content. Mais elle est où? Ben, justement... T'as l'air embêté, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas facile à dire. Vincent, quand tu prends cet air penaud et que tu commences à bafouiller, j'ai l'impression que tu parles à ta mère. Non, pas du tout. Ici, tu peux tout nous dire. Ben voilà, c'est à propos de ma copine, Sophie. Oh ben, n'en dis pas plus, Vincent. Ben, j'ai tout compris. T'as largué, c'est ça? Et ben oui, mais t'as arrivé exactement la même chose à ton âge, mais si je te le dis... Elle m'a pas largué, ben, Gérard, elle m'a pas largué, au contraire. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Ben, elle m'a appelé comme quoi ses parents partaient en week-end et comme ma mère a un symposium... Ah, et tu voulais en profiter pour passer une petite soirée en tête-à-tête amoureux? Et c'est pour ça que t'es embêté? Mais y a aucun problème, Vincent, vas-y! Vas-y, fille, y a aucun problème! Sûr, ça s'embête pas si... Mais non, et en plus, je suis une fille amoureuse, tu sais. Pour elle, le temps s'allonge et les minutes semblent des semaines. Bon, bah bonne fête, alors. Allez, fille! Salut! Salut, Vincent! Puis bonne chance! Enfin, je veux dire, bonne soirée, quoi. Mais Gérard, il me semble qu'on va pendre notre crémaillère en tête à tête. Oui, on dirait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais à dire vrai, un petit tête à tête tous les deux comme ça, ça me paraît plutôt sympa.